10 secondes, grosso modo, c'est tout le temps que j'aurais eu pour improviser cette intro où je vais devoir me justifier d'avoir choisi aujourd'hui Moons of Darsalon à vous montrer pourquoi cette sélection sur ce jeu dont le titre est complètement zarbi pour une seule, unique, mais pourtant très bonne raison. J'ai regardé un trailer. J'ai surtout entendu ce trailer. Oui, vous allez être comme moi. Dites-moi pas que ça va vous laisser indifférent. Faut que je vous partage ce moment. Are you looking for a new adventure? Join the Darsalon Space Marines and become a fearless Darsanaut. We are recruiting for the rescue missions to the exotic moons of Darsalon. Love high-tech gadgets? Try the Grand Maker. Crave destruction? Destroy the terrain you just created. Hate aliens? The only good alien is a dead alien. Soar through the air on a jetpack and rain down laser fire on the enemy. Get behind the wheel of a space truck and drive over impossible terrain. Feel the rush of adrenaline as you pilot the dropship straight into the enemy territory. Lead a squad of Darsanauts that will obey your orders and will respect you most of the time. Nothing is more satisfying than leading your Darsanaut companions to the moon base. Don't miss out on the adventure of a lifetime. We need your skills. Apply for the recruitment by clicking on the wishlist button now. Next expedition leaves on April 19th. Find yourself in the Darsalon Space Marines, and you can be proud of it. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il y a quelque chose qui a fait chpling dans ma tête quand la première fois ce trailer est arrivé devant moi. Oui, cette reprise du morceau qu'on a tous reconnu de la BO de Tarantino est juste fabuleuse à se rouler par terre. Donc, Moons of Darsalon. Le nom déjà est très con, ça c'est certain, mais alors le jeu a l'air d'en tenir une couche. C'est bien simple, si vous regardez bien ce trailer avec moi, à chaque écran, on peut avoir une influence qu'on peut nommer plus ou moins directement. Il y a un mec avec un jetpack et des guns qui doit faire de la varap au milieu de plateformes plus ou moins mobiles pendant qu'il se fait attaquer, qu'il résiste aux obstacles du terrain et qu'en plus, il devrait sauver des gens. Non mais attendez les gars, vous déconnez quoi, c'est n'importe quoi. Ce décrunching était totalement fake puisqu'on n'a pas vu les rainures arc-en-ciel balayer l'écran. Ouh, fake. En tout cas, si un truc qui est bien réaliste déjà, c'est regardez votre écran. Ouais, il est tout bombé. Vous avez cette impression d'être venu dans les années 1990. Ouais, c'est probable. Un autre truc aussi qu'on a tous remarqué sur le trailer, c'était les samples qui sont très rétro. Alors moi j'ai pensé à plein de trucs, du Defender, des choses comme ça. C'est assez formidable. On va aller regarder dans les options s'il y a des filtres marrons. Mais là je trouve que c'est déjà très bien comme image, ça fait quasi CRT. Il y a plein de commandes, il y a plein de trucs à faire, ça va être la panique totale sur cet écran dans moins de 10 secondes. Oui ! J'ai pas dit non, et j'ai dit oui. On y va. Alors il faudrait... Rescue des Darsanauts, ah oui, on va sauver des gens qui soient pas touchés. Moins de 67 secondes. Tu m'as encore rien expliqué, mec. Allez, on y go. Jump. Ah, c'est sur la gâchette, c'est bizarre. Le mec dit exactement ce que je dis à peu de choses près, quoi. Le jeu se moque déjà de lui-même, c'est monstrueux. La résolution fait que l'écran est vaste, grand. Je me sens petit, ouais, j'ai bien traduit. Je vais pas mal m'y habituer à cette gâchette sauter. Ah mais moi c'est le bouton A les gars. Vous m'enlevez le bouton A pour sauter, c'est foutu, j'arrive plus à utiliser le jeu. Hey man! Attends, j'ai pas eu le temps de lire. Go right, follow me, go left, wait. Ok. Oh voilà, sorti.
Regardez-moi ces samples fabuleux. Il y a un bonus là-bas, non? Ah non, c'est la suite du tableau, monsieur. Non, c'est trop. Ok, right. Attends, il y a un truc à faire. Ça, je peux le pousser de l'autre côté. Gâchette. Soft. I'm not a lemming. Mec, je t'ai ramené une boîte là pour que tu puisses arriver à sauter. Ah, t'es connant, il était pas crédible. Il y a de l'énigme donc. Bon, je peux faire quoi d'autre avec ma boîte? Mais j'ai réussi à sauter, tu vas arriver à sauter. Alors le pire étant que je suis coincé là, donc il y a un truc à faire avec cette boîte que je n'ai pas compris. Je vais essayer les autres commandes au passage, discretos. Allez mec, je vais pas rester coincé là-dessus. Une 36, une 37, oh la pression, je ne speedrunnerai pas. Non, pas aujourd'hui, not today. Par droite. Bon, je suis comme un con avec ma boîte, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire, c'est vraiment... Ah non, mais c'est toi qui m'as saoulé, man. Donc les personnages qu'on doit sauver sont apparemment couillons comme des... Bah, ils sont ce qu'ils sont, quoi. Il y a un bouton. Descends au bouton. Merdé, lui, je le sens. Alors voilà un des autres trucs de ce jeu, c'est que je pense qu'on va aller de découverte en découverte d'une manière assez fabuleuse. Impossible. Il voit bien ce que je veux faire. Right. Il y a une logique, les gars. Va falloir collaborer avec mon pote, certainement. Oh, cette soundtrack. Je rappelle que c'est pas un lemming. En fait, faut les guider réellement. C'est assez étrange au début. Aim. Et les mecs, ils y voient pas, donc ils passent pas quand ils voient pas. Ils ont pas de lumière, il leur faut de la lumière, quoi. C'est bien foutu. Là. Oh, ils sont demeurés, quand même. Ils arrêtent pas de commenter tout le long. Bon, il y en a un qui faut qu'il tienne la boîte, ça on l'a compris. Ce sera pas moi. Non, ce sera pas moi, Fouster. On l'avait presque, les mecs, on l'avait presque. Je vais y arriver avec cette boîte. Vous avez pigé ce que je voulais faire. Faut qu'ils nous retiennent la boîte. Je vais lui remonter la boîte. Saute à droite. Ces deux branquignoles, ça va être terrible. Ce stream va prendre 5 heures. On n'aura pas vu une seule phase de combat. Si je vais m'avouer vaincu. Non, pas du tout. Follow me. Don't move. Par contre, je saute, faut faire gaffe, je tiens. Bah, tu tiens la boîte et moi je vais. Putain, on est vraiment deux clowns.
Ce jeu va m'éclater, je le sens. Man, j'y arrive. Attends, je réfléchis, on n'a pas raté un truc avant? Non, on peut pas avoir raté un truc 5 minutes. Ça se speedrun en 67 secondes, ça, je vous rappelle, les gars. Putain, mais on va faire quoi, les mecs? Je désespère. Alors, les autres commandes, je pourrais essayer. Mais je n'en vois pas. On ne m'en donne pas. Non, je ne sais pas par où rentrer à la maison de jeune Padawan. Heureusement que j'ai une map en bas à droite. Mais elle est sous le logo. Dommage pour vous. C'est dans la tête du chat, ça clignote. I don't think you know. Ouais, ouais, non, moi aussi, je pense pas savoir le chemin. Qu'est-ce qui vient de lui arriver? Attendez, je vais mettre là. Regardez-moi ces deux teubés. J'ai pas fini de mourir de rire. The Twin Pad. Yes! Cette mission s'est passée comme un grand succès. Ouh, waouh, waouh. Vas-y, whiz, whiz, whiz. Alors, je suis désolé de l'annoncer d'avance, hein. Ce jeu me plaît déjà. Je sais pas pourquoi, mais il manipule un non-sens et une logique cruelle à la fois. Je crois que je vais être amoureux. The Descent. Qu'est-ce qui pourrait se passer de bad? Aucune idée. Alors j'ai un pad sur celui-là, mais... La musique, les gars. Il va avoir peur dans le noir, ouais. Donc faut que je trouve une... Une autre pirate ou un autre gars. Et là. Ouais, mais il fait tout noir, moi je bouge pas. Et les mecs, vous êtes vraiment des... Je me coltine tout le boulot, quoi. Bon, je vais voir ce qu'il y a au bout du tableau. Hein. Je sais pas si je pourrais venir sauver ces pauvres gars. Il fait tout noir. J'ai pas vu de lampe, moi, au début. Hein. Vous non plus, j'espère. Parce que si vous en avez vu une que vous m'avez pas prévenu, je vous... Et... Alors, de la plateforme, la réflexion, cette dame de porte qui sera pas ouverte du tout, comment je reset déjà en appuyant 4 secondes? On va remonter si je peux. J'ai appuyé sur A pour sauter. C'est fatal, viens avec moi mec. Non, mais vraiment, viens. Tu vas voir, ça va être marrant. Non, faut sauter là-haut. Viens là, teubé. Flashlight, ça pourrait être utile. Non, mais je sais pas pourquoi, mais ça sera surpris. On pourrait passer par l'extérieur, vous me direz. Mais lui, il va pas vouloir sauter, et d'une. Moi, c'est juste pour gratter un bonus en face, je présume. C'était pas pour la rime. Je vais y aller quand même. Je ne suis pas mort. Alors ça, c'est extraordinaire. Bon, faut pas pousser non plus, d'accord. Mission failed. I'm terminated. Je kiffe ce jeu. Ne me demandez pas d'argumenter. Je kiffe ce jeu, quoi. Parce qu'il démarre sur un énorme n'importe quoi d'apparence. Et en fait, il est très très réfléchi, il me semble. Et il va mélanger des principes d'arcade vieux comme Hérode. Ou vieux comme Space Invader au choix. Bien. Faut que je le guide, hein, c'est ça qui est ouf. Viens là toi, mais attends, viens. Il est con. Bon, lui il était fait pour mourir de toute façon. Alors il y a un petit côté, je sais pas, Worms. Ouais, Worms plus que Lemmings.
dans cette mission de ramener des couillons vivants jusqu'à la base, ou faute de quoi le tableau pourra pas ouvrir des portes qui seront irrémédiablement verrouillées sans leur présence. Mais si, je sais où on va. Par contre, tu tombes pas dans le vide comme moi. Putain. Mais je le dis, je le fais, hein. J'ai appuyé sur A. Ah, non, pas je me gourre, si je dois faire voir le mauvais exemple, ils vont faire des conneries, c'est normal. Moi ça me fait peur en général d'être avec des persos que je ne contrôle pas et qui font un petit peu n'importe quoi comme moi, mais en pire. On va voir où ça nous mène. On va essayer de récupérer le pote là-bas. Cette histoire juste de l'ombre de poche, les éclairer, c'est terrible. Les mecs. Ben, faudrait que vous bougiez les fesses, là. Ça veut dire qu'il nous en manque un. Ah, ça, c'est certain, c'est probable, c'est maintenant. Saute. Oh, il m'a fait voir le press again à la Matrix. Regarde, regarde, regarde. Et ça ne marche pas, si. Ok, j'ai le jump accroché, donc. Alright, vous êtes trois les mecs, maintenant ça passe. Merde. Il y a une toute petite inertie là, dans le... On va les appeler là. Est-ce que j'ai fait une énorme connerie parce qu'on doit être 4 pour ouvrir cette porte? Je crois qu'ils gobent plus rien les mecs. Bon, alright, ok. En fait, fallait rester sur l'inter qui était là-haut, je présume. Une bêtise dans le genre. En fait, je n'ai absolument pas fait ce qu'il fallait. Oh putain que vous êtes cons les mecs. Il y en a un qui est coincé en bas. Je suis de dégoût total. C'est pas facile la prise en main au début, hein. C'est assez étrange. Cette BO. L'amour du LFO. Ah, c'est un nouveau record du monde de 3 minutes 35. C'est beau. Je l'ai saisi. Nous revoilà donc dans un nouveau troisième tableau que l'on va speedrun en moins de 70 minutes 43. Peut-être. Ça se trouve, je vais rester coincé. Hein. Je rappelle qu'il faut que je sauve des gens. Et cette musique d'un assureur très connu n'y changera rien. Il y aura des morts. There will be deads. Come on, boy. Saute, tu peux le faire. Ou alors juste les attirer, c'est une idée. Ha ha ha!
Lui, il avait compris, mais... Il va pas vivre longtemps, je pense. Bon, en fait, c'est à quoi apprendre, parce que la lumière, en fait, balaye beaucoup plus large que ce qu'on l'imagine. Et ça va pouvoir être jouable, regardez. Presque. Alors, c'est pas évident à voir au début. Ouh, pardon, je crois que t'es mort, toi. Elle est un peu vénère. Bon, on est trois survivants, je sais pas, on voit pas. Y a pas de jauge. Si, ils ont une jauge. Il y en a un qui va nous quitter dans pas longtemps, peut-être. Non, c'est fuel, batterie, mais... Ouh là là, ammo. Y a plein de trucs à gérer, mine de rien. J'aime beaucoup ces gens qui n'écoutent rien. Ou alors qui écoutent aveuglément. I feel bad. Bah, moi, I feel good, regarde. Sautez. Allez, ma team. Bon, lui, il aurait voulu venir, mais je crois que... Voilà, il est mort. Crouche, pourquoi me croucherais-je? Bonne question, on va aller là-bas. Attendez là, les gars, parce que je vais faire que des conneries, je crois. Oui, pour redescendre, mais pour l'instant, il n'y a rien d'obstaculaire, on va dire. Oh, ça se dit pas. Ok. À moi, morde! Bon, ça au moins il piche du premier coup, c'est la bonne nouvelle. Oh la mystique. J'espère que vous vous régalez. Qu'est-ce qui se passe? Oula. C'est peut-être pas une bonne nouvelle, hein, le truc qui arrive. Hein. Moi aussi, j'ai besoin d'un café. Merde, et ben non. Non, ça va. Ce jeu, sérieux les gars. Moi j'essaye hein, quand ça sort. Je veux essayer parce que c'est... Oui, tu es bien dans The Big Game of Ski et on teste Moon of Star Salon qui est probablement le GOTY 2023 avec ses gros pixels, ses samples échappés de Defender et ce je ne sais quoi sur lequel vous allez tous craquer évidemment. Laser Guns. Ah, va y avoir de la fight, ça va être marrant. Enfin marrant pour vous, moi je... j'ai un doute. Here's the gun. You can shoot. Moi je tire avant de savoir qui c'est. T'étais un ami? Je suis désolé de t'avoir tiré dessus. Non mais vraiment. Un ennemi! Oui, je connais le chemin, mais il n'y a pas de lampe de poche dans ton bousin là. Il n'y a que moi qui vois quelque chose. Alors il va nous envoyer des gars jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, un souci d'aiguillage. Je ne sais pas. Que dois-je faire du coup, moi? C'est pas très clair. It's not really clear, man. Laissez ce gars mourir. I'm the boss, il dit. To the rock. Oui, mais je ne peux pas circuler ici. Oh, Lord me. Je crois que Arg. Oh, les samples d'époque vintage, c'est fabuleux. Alors, on est toujours pas éclairé sur ce qu'on doit faire, les mecs. Donc, moi je suis déception. Ouais.
Alors je peux remonter ici et essayer de... Ouais, ça ira mieux. J'avais pas vu ce flashlight vraiment. Je croyais que c'était un objet de l'ancien temps. Bien là. Je fais la porte sauvée mais... Comment dire. Laser gun. Bon, on peut pas faire des trous là-dedans, les gars. Si. Oh putain, si. Oh, je découvre le jeu, vraiment. Je suis subjugué, moi. Donc, le mélange des genres est totalement improbable et génial à la fois, du coup. Je peux casser ça. Oh, Kumi Marossé. Tu feel bad, pas autant que moi. Bon, fallait détruire ce téléporteur, on saura ce que c'est désormais. On n'a pas trop les munitions comptées, on va en profiter les mecs. Hein. Ça veut dire qu'on va pouvoir creuser le tableau, terraformer nos douleurs. Oh là là, c'est incroyable. Pour l'instant, la bave ennemie ne me fait pas de dégâts, mais je doute de rien. Pourquoi cette caisse? Pourquoi pas? Il m'en remet une. Oh, long to get home, je sais pas, mais longtemps sûrement, regarde. Alors, on va péter le téléporteur avant qu'il se passe un cauchemar. Ce jeu est incroyable. Je suis scié. J'avais pas idée dans quoi je mettais les pieds. Et c'est tout simple, c'est tout bête en apparence. Et c'est pas mal du tout. Il y a quand même de l'amour, hein, les gars. Voilà. La vie, l'amour et tout le reste. C'est de l'acide. Alors je crois que j'ai oublié un gars. Vous me pardonnerez. Putain le truc. Merde, j'ai tiré sur un de mes gars. Mais c'est le bordel. J'en ai plus que deux. Oh, le slow-mo qu'il y a eu. Le slow-mo les gars, c'était monstrueux. Je vais rien dire, moi je souris. Je suis l'idiot du village qui sourit et qui est émerveillé devant cette petite trouvaille qui franchement me fait délirer. It's safe. Ce jeu. Bon, j'ai qu'un bonhomme, va falloir faire gaffe un peu quand même. Oh, il y a tous les morts précédents qui sont restés, c'est horrible. Fais gaffe à la Cid. On va pas se presser dans ce passage, du coup je suis allé trop vite tout à l'heure et je suis mort là ou pourquoi. J'ai pas vu exactement, mais il devait y avoir un passage précis à faire. Il y a une plateforme à droite. Mais le passage d'entrée est juste en haut, ok. On va laisser faire, on va observer. On va observer et tirer. Il y a du monde quand même. Ouais, on monte là, allez. Je vais à gauche. Non, je sais pas pourquoi. Ne demandez pas. Pourquoi aller à gauche? Je sais pas. Bah, tout à l'heure, ça m'a pas porté chance de monter là-haut. Viens là, mec! Oh, c'est le bordel avec les portes. Ils vont pas aller. Il est sûr. Il est sûr. Bon. Oh putain, quoi. Attends, je vais descendre, mais on met une, moi. Monte. Non! Putain, il m'a flingué mon bonhomme! Non, c'est bon. C'est bon.
Come on, boy. Merde, j'ai oublié de sauter. Oh, saute là-dessus, gonna... Oh, putain. Alors, le A qui ne sert pas à sauter, c'est vraiment la pire traîtrise du jeu. Et j'aurai beaucoup de mal à m'y faire jusqu'à la fin des temps, je crois. Ça sent l'embusque. On devait être combien pour sortir? Oh, ça suffit. Oh, chouette. Je me suis fait en cortège. Mais moi aussi, je... Et pourtant... Bon, d'accord. Ce con de jeu, il est incroyable. Tu ramènes le deuxième survivant, tu rentres pas. Ok. Alors, deuxième survivant, j'ai pas vu comment on faisait pour... pour y accéder, en fait. Ce qui est ennuyeux. Voire fâcheux. On sait très bien où il est localisé, ça c'est la bonne nouvelle. On va passer devant Janis Joplin. Mais il y en a encore? J'avais explosé votre téléporteur, les mecs. C'est pas cool, c'est pas cool. Virgule. Moi. Bon, viens là. D'accord, il y a un truc du décor qui m'emmerde encore. Pio. Oh, il tient bien en équipe cette boîte. Bravo, magnifique, on y va. Il est un peu con, mais il comprend, c'est ça qui compte. Allez, on y va. Go. Restez là. Non! La discipline, les mecs. Ça vous dit un truc? Non, je demande. Bande de teubés, là. Je crois qu'il y a le troisième, il sait. Le quatrième qui sait. Ah non, il est là-bas. Tire. Attention à la gougoute. Putain, on va tous crever. Non, on mérite mieux que ça. Allez, gars, les gars. Bon, on en a un moins, mais on est bon là. J'ai le taf. C'est encore Janis Joplin qui est morte. Oh putain, elle arrête pas. Les mecs, non, touche pas mon bonhomme, toi. Avec moi, on est une team. Je vais l'allumer. Avec moi la team. Le téléporteur. On saute, come on. Bah, tu prends le prochain. J'adore ce jeu. Bon, lui, il m'a gonflé, hein. Il veut pas venir, il vient pas, hein. C'est pas un problème. Bon, les mecs, attendez ici, je vais pas faire ça, je suis pas un lâche. Mais... Je crois qu'on a trouvé Kevin, hein, les gars. Kevin, arrête tes conneries, stop. Mais t'es incroyable de conneries, bonhomme. Qu'est-ce qui t'arrive? Bien. Là. Pouh la vache. Mais si tu peux au prochain tour, arrête de faire le... Kevin. Bon les mecs, on est trois, ce serait bien qu'on arrive à trois jusqu'à ce damné hangar et que vous arrêtiez de faire n'importe quoi. Je vais écouter la prochaine musique. Piu piu piu. Non, pas de piu piu piu. Là, c'est l'arrivée, on y va, go. Mais moi, je suis subjugué devant ce jeu, je suis...
Il est vendu, Take My Money, Moons of Darsalon. Encore? Oh là là, je sais pas ce qui nous attend, ça va être moche. Ah. Tintin. Un jour, je me baladais, je suis tombé sur le Ground Maker. Le Ground Maker est un appareil qui me permet de construire. Regardez. Bon, c'est pas très probant pour l'instant parce que je débute. Mais regardez. J'ai pas bullshité. J'ai fait du ground avec mon maker. C'est donc un ground maker authentique. Est-ce que je visite dessous ou dessus d'abord? Bonne question, il y a un flingue, ça veut dire qu'il y a des ennemis. S'il y a des ennemis, ça veut dire que... Minimap. Bah ouais, la minimap te dit que c'est surtout au-dessus que c'est intéressant. Yo boy, come with me. On va redescendre. Hein. On va suivre mon idée à moi, vous allez voir. J'ai un vrai gun. Ouais, j'ai un vrai gun. Ouais. Donc je peux construire et détruire à volonté. Ah, ce pixel me gênait. Light, j'ai un laser gun. Passer en dessous, c'est pas une bonne idée. On va continuer à droite comme un gars bien élevé. Ah putain, ça va canarder. Où je trafique, que je prenne mon laser gun. Ça va chier. Ça va chier des bulles. Oh, ce bullet time. Ce bullet time plein de bullets plus poilu que la moyenne. Incroyable, on change d'arme. Viens là, mais viens là! Bon, c'est moi qui lui ai dit de partir droit. Oh! Putain, je rattrape après jamais. Mais mec, c'était pour rire! Viens! Oh, les fautes de manip du débutant, c'est terrible. Go, go! Oh, la musique! C'est Gretchen Sisters, les gars, sérieux. Non, l'autre arme. Ah, tire. L'autre. Ah, mais j'ai plus accès au. Non, don't tell me this. You don't want me to be so sad. Non, attends ici en fait. Moi je vais régler mon problème de flingue. Comment je. Et mais mon morvateur. Les gens, j'ai un problème. Ah, ça y est, c'était une autre touche. C'était le. C'était quoi d'ailleurs? C'était le A! Donc je vous rappelle que je n'ai pas le A pour sauter, c'est le morvateur. Oh purée. Je suis pas sorti le cul des ronces, comme on dit. C'est Gretchen Sisters, on me la fera pas. Ces mecs sont des purs fous. On change d'arme parce que ça va partir en couille. Oh, ce niveau d'affect. On est obligé de surveiller du coup la map parce que effectivement ça devient un peu tordu. Va falloir faire de la varade et flinguer des trucs et essayer de deviner où on va dans ce joyeux bordel qui pour l'instant me dit d'aller surtout vers le haut, de m'élever. Allez, morvateur, go. On prend le morvateur. Vateur. Ce jeu d'improbabilité totale, je kiffe à fond. Oh putain, vite change! Alors faut que j'apprenne à alterner maintenant. Oh purée. Non, c'est un ami! C'est un ami! Arrête! Il y a un téléporteur juste au-dessus, ça va être une horreur. Morvateur! Go, 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 go! Viens avec moi au lieu de faire en doute. Alors, on prend le flingue. Oh purée, c'est pas possible ça. Flingue. Ammo. Va falloir que je me débarrasse de la menace là-bas. Hein. Elle me l'a flingué, mon pote là. Allez, viens, viens, viens. Bien. Attends, vous attendez là, le mec. Ouais, je me charge de tout, n'ayez pas peur. On va reprendre le morvateur ou je vais faire le ménage à gauche. Il y a un truc au-dessus en plus, on peut essayer d'y accéder. On va voir les limites du morvateur.
Le Morvateur ne peut fabriquer que, voilà, sur un bout comme ça. Regardez. Restez là, les mecs, je reviens. Ah non, mais j'ai un bout d'idée. Là, il y a The Bout of Plan. Regardez-moi les aiguilles. Je peux pas les allumer à travers là, ce serait une chouette chose. Presque. Regardez-moi ça, ça marche. Frag, yes. Good, une menace à gauche en moins. Bon les gars, on peut rester la compé ce soir. Finalement, j'ai changé d'avis, vous venez. Ah, on se meurt ça. Le Morvateur, je m'en remettrai jamais. Ça va la famille, ça suit un peu. Allez, on est arrivé. C'était pas si compliqué. Je laisse entrer les invités d'abord. Ouais, non, mais ils me foutent dehors sinon. Musique! Non, mais je vais être très clair. Je veux et le jeu et la soundtrack. C'est. Faut pas faire des jeux comme ça, les gars. Après, j'ai quoi comme crédibilité face à moi, à mes mômes? Aucune? Bah voilà, merci. Jetpack. Il y a des jetpacks aussi. Oh putain. Bonjour. Je tousse parce que c'est. Parce qu'il faut que je tousse. Il va là ou tu fais quoi là? J'ai l'air assez con. Me fais pas ça, s'il te plaît. Merci. Apparemment, la plateforme est réfléchie au millimètre. Hein. C'est ça qui est assez incroyable aussi. Ce qui fait que dans ce gros bordel, on se dit mais pff, c'est simple, c'est débile, c'est. Bah non. Oh, c'est tendu! C'est peut-être le truc qu'il devrait corriger. Là, tout ce qui est plateforme, là, se raccrocher comme ça, ça merde souvent, pour pas beaucoup de raisons. Et ça va donner de la frustration gratuitement, on pourrait s'en passer. C'est quoi? It's a jetpack. Déjà, c'est pas le A, j'en suis certain. Oh putain. Oh, le jump. Je l'ai où, les gars? Ouais, là, aussi à droite. I don't see where to go, mon poteau. Et je vais récupérer un gun. Ouf. Ce jeu va me tuer. Idéalement, par rapport à ma map. Alors, la map est géniale parce que du coup, elle affiche pas grand chose. Et il va falloir y aller au culot des fois pour se dire. Bon, ouais, ça passe plutôt par là, moi je dis. Est-ce que je. Non. Oh, on peut même se boiter en jetpack, ça c'est génial. Calme-toi. Voilà. Beau. Après, faut qu'il se recharge, hein, le pépère. Ah, mais c'est même pas faut qu'il se recharge, c'est que je viens de le vider totalement, non? What the fuck? Mais je fais quoi, là, maintenant? Bah, tu meurs. Mais c'est bon. Faut un bout de temps pour qu'il se recharge, le pépère. Looking for gas. J'ai eu le temps de lire avant de mourir. Déchiqueté en petites particules contre ce rocher. Ouais, c'est ça. On est bon. Température, je suis bon. On y go. Tel Superman, magnifique. Température, go. On se pose là, tranquille. Pose-toi là, réfléchis. Putain, tu vas me faire de la main. Regarde la topographie avant de faire une connerie.
Allez, par dessus et... What? Mais non! Faut passer à fond la caisse là-dedans? C'est quoi cette blague? Ouais, non, c'est ça, faut passer à fond la caisse, ou alors c'est des poches du gaz qui explosent dès qu'il y a une flamme. Et effectivement, avec un jetpack, ça explose. On est bien, on est bien. Va pas dans le gaz. Ça, c'est la bonne réponse à l'interrogation actuelle. Faut redescendre, ok. Alors, la bonne nouvelle au passage, c'est heureusement qu'il n'y a pas d'autre bonhomme à sauver, quoi. Parce que déjà, ma peau, j'arrive pas à la sauver. Donc, sauver d'autres mecs, ça aurait été difficile quand même. Fait tout noir. Ah bah c'est normal. Ouais mais fait tout noir. Calmos. Merci. Attends, c'était quoi ça? Loupiote. Parce qu'en plus c'est le bordel. Mais pourquoi? Parce que... Oh, descends. Doucement. Right. Là, on a des trucs explosifs. Ça veut dire que... La solice est plus en dessus. Ouais. On va y aller au culot. Bien vu. Prends ton petit cœur, on avait besoin. Qu'est-ce qu'il y a en face? On ne sait pas, mais on y va. Yalla! Ah oui, comme on est bien là. Alors j'ai récupéré un pote. Comme. Enfin, stay close, c'est une idée parce que tu vas pas être déçu, mec. Hein. Je crois pas que ce soit une bonne idée de lui dire de me suivre. Parce que. J'ai aucun moyen de l'emporter avec moi, le gars. Alors à droite, il y a du monde, mais je ne sais pas. Ouais, bon, stay close. Mais je crois que tu vas pas me suivre, tu vas pas y arriver. À droite, c'est du gaz, j'y vais pas. Est-ce que j'ai toujours mon pistolet à caca, là? Ouais, je l'ai plus cette fois. Le pistolet à mort, là. Bien. Ça, c'est... La case, il veut pas la prendre, là, cette case. Ok, donc ça veut dire qu'il faudrait que je trace en face. Au culot. Yalla! Top. Merci. Bon, lui, je vais lui dire follow me, mais je crois pas qu'il va me follow beaucoup, quoi. Bon, alors, c'est une vue de l'esprit. Ah, remonte! Comment je vais les sauver, mes gus, moi? J'en ai aucune idée, là. Shit. Il faut du fuel pour le jackpot. Oh là là, on est dans la... De... Va falloir le connaître par cœur, ce tableau, c'est pas possible autrement. Ça, pourquoi j'ai pas le droit? Je sais pas. Eh mec, j'ai trouvé... En tout cas, vous l'aurez bien compris, Moons of Darsalon, vous tombez dans la liste de jeux Steam. Avec ça au milieu, vous le remarquez même pas. Et pourtant, vous avez le grand risque de passer à côté d'une petite perle. Parce que ça reprend l'esprit arcade, que ça mélange à un petit peu de réflexion, un petit peu d'action, et puis pas mal de random dans les contrôles des fois, j'ai l'impression. Et du coup, c'est super marrant à pratiquer. Je vous le recommande chaudement. Si vous avez des doutes, il y a une démo qui tourne de temps en temps. À votre place, je l'essayerai. Allez, playlist, bouton d'abonnement, et moi, je me casse à coup de jetpack.